Lundi 27 août, Ben Affleck et Jennifer Garner divorcent. Si Jennifer Garner et Ben Affleck ont annoncé leur rupture il y a 3 ans et que la procédure de divorce a été lancée depuis déjà 1 an, ils viennent seulement de trouver un accord. Ils attendent le retour de l'acteur de sa cure de désintoxication pour se présenter au tribunal, rapporte le News. L'acteur de 46 ans a été admis dans un centre la semaine passée après une rechute dans l'alcoolisme. C'est son ex-compagne, Jennifer Garner, qui l'avait conduit à l'établissement. Il devrait y séjourner pendant au moins 1 mois. Le couple a 3 enfants ensemble et est resté en bon terme. Kanye West offre à Kim Kardashian une Mercedes. Rien n'est trop beau pour faire plaisir à Kim Kardashian. Son époux, le rappeur Kanye West, l'a bien prouvé en lui offrant un 4x4 Mercedes-Benz G550 vert fluo. La star de la télé-réalité a filmé la scène qu'elle a postée sur son compte Snapchat. Cœur vert à post shared by Kim Kardashian Snapchat pêche, @KimKardashianSnap, UG25, 2018, 10h17 PDT. Les gars, regardez qui m'a surprise avec ce bébé, peut-on entendre dire la femme de 37 ans. J'ai la voiture de mes rêves, la valeur de ce cadeau qui semble avoir comblé Kim K dépasserait les 227 300 $, rapporte page 6. Venus Williams et Nicky Hammond très amoureux. Cela fait déjà plus d'un an que la joueuse de tennis Venus Williams sort avec Nicky Hammond et leur idylle ne semble pas près de se terminer. La sportive de 38 ans et le jeune héritier du milliardaire Walter Annenberg de 26 ans sont amoureux, a déclaré une source auprès de page 6. Mais il n'est pas encore question de fiançailles, bien que le couple se soit affiché ensemble à de nombreux moments importants de leur vie. Nicky Hammond and Otamendi acute te acute le cavalier de Venus au mariage de sa sœur cadette, Serena Williams. It's time to be a prima donna. See you tomorrow on Ash. At 11 for Venus.